Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition de la mi-journée. Madame, messieurs, bienvenue. Commençons ces informations par cette information en bref. Le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, a annoncé lors du sommet G7 tenu en Allemagne que son pays va étendre l'initiative Feed the Future visant à lutter contre la faim et l'insécurité alimentaire dans le monde. Cette initiative est du gouvernement américain qui est déjà d'application dans 8 pays africains, cible pour cette fois-ci principalement la République démocratique du Congo, le Libéria, le Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie. La crise actuelle, poursuit-il, nous impose une intensification des efforts à travers l'initiative Free the Future. Revenons au pays. Kinshasa, des scènes de liesse à Kikolé dans la commune de Ntsélé, où la population de ce coin de la capitale a assisté le week-end dernier à la matérialisation de la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La promesse est celle de construire un port de pêche moderne dans cette partie de la capitale. Suivez ce propos recueilli par Noé Lambeau. Sans impression de satisfaction, en tout cas parce que je sais que nous sommes partis d'une promesse, comme vous le savez. C'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Beaucoup ne l'ont pas cru, parce que j'ai entendu même des gens parler de promesses que le chef de l'État et le gouvernement font toujours des promesses, mais ils ne réalisent pas ce qu'ils affirment, ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons une preuve éloquente que lorsqu'on promet, on le réalise. Lorsque le chef de l'État promet, il le réalise. L'année passée, il a promis aux pêcheurs d'installer ici un port de pêche que nous appelons en jargon technique le débarcadère intégré. Aujourd'hui, le débarcadère est en train de voir le jour. Et si moi, comme ministre du secteur, je suis arrivé ici, c'est tout simplement pour voir l'évolution des travaux sur terrain. Et à ma grande satisfaction, je réalise que les travaux évoluent très très bien. Vous imaginez, lorsque nous serons autour de 3, 4, 5, 10 mois, donc ça va être vraiment un grand ouvrage qui va être construit. Donc, prenez votre mal en patience, comme on dit en français. Petit à petit, nous allons suivre l'évolution des travaux. Je vous amène avec moi faire le tour des provinces, direction la province du Congo central, où s'est tenue une campagne d'adhésion porte-à-porte à Boma, organisée par Jacinda, la coordonnateur de la jeunesse de Ensemble pour la République. Une marche a été également tenue sur place à Boma après l'étape de Matadi. Suivez ce reportage. Après Matadi, la forte délégation de la JR sous la conduite de Jacques Ndala marche sur Boma, la deuxième force du Congo central. Ici, les envoyés spéciaux de Moïse Katumbi Tshapwe pour la campagne d'adhésion porte-à-porte, bien accueillis par l'interfédération de la JR Bas-Fleuve sous la direction de Maître Bibiche Moussenge Mwasi Mangeta. Le coordonnateur de la jeunesse des Ensemble pour la République a invité les Bomatraciens d'adhérer à Ensemble et de cheminer ensemble avec Moïse Katumbi Tshapwe, car un autre Congo est possible. On est ma solo à parti politique à Pandala Bambalaté. On est ma solo à politique. Politique est Fanda. Puisque je suis Goyo, tu es outil Kinshasa, tu es une personne d'Akoudaï. Tu es au Pambouraïo. Tu mènes notre parti ensemble pour la République. De mission maman, papa, Elengé, parti à Bissot. Résumé à projet des sociétés d'Abisso et nous dit ensemble pour
bino ni ngabo sao. Ifu mo yokana. Na dino o? Bo yeba. Po na biso. Na kimo si na biso. Toti na dit Martin. Toti ni François. Toti ni Manzuzi. Toti ni Toko. Toti ni Proba. Toti ni Mambweni. Toti ni... Non, non. En tout cas, Mampagne. Ça on a tout l'air. Betty Namou. À son tour des paroles, l'interfédérale Bas-Fleuve, très contente de la présence de sa hiérarchie, et glisse un mot pour l'assistance. Avant de se séparer avec ses siens, Jacqueline Dalla et sa suite ouvrent les couloirs de porte à porte aux adhésions à Ensemble pour la République. Sinon, l'activité se clôture sous une note de satisfaction. Quittons l'ouest pour l'est de la République démocratique du Congo, le maire ad intérim de la ville de Butembo, M. Moua Baekiteli Roger, a officiellement annoncé dans un communiqué le samedi 20 août 2022 le plan de la relocalisation des casques bleus de la MONUSCO dans la ville de Butembo. Du 20 au 21 août de l'année en cours, de 20h à 23h, les casques bleus de la MONUSCO procéderont au déplacement des 22 de leurs engins de la ville de Beni pour Butembo afin de récupérer tous ces matériels. Le dimanche 21 août 2022, les déplacements se fera de la ville de Butembo vers Lubero pour la même opération. Lundi 22 août, de 9h à 11h, ça sera le déplacement de Lubero vers Goma par hélicoptère. Pour la journée du 23 août 2022, les véhicules de la MONUSCO seront déplacés de Rwindi pour Kiwanja. Le maire de la ville demande à cette occasion au respect strict de ce plan afin d'aboutir à l'objectif des récentes manifestations qui ont coûté la vie aux citoyens congolais. Quittons le Nord Kivu pour nous diriger en Ituri. Confrontation des prévenus et renseignants par la cour militaire de la province de l'Ituri dans le procès meurtre des ressortissants chinois en mars dernier. Il ressort des indices de culpabilité pour nombreux des prévenus en majoritaire. Les éléments de la force des forces armées de la République démocratique du Congo, dont un colonel. L'audience publique s'est tenue à la tribune officielle de Bounia, chef-lieu de la province. Suivez ce reportage de la presse militaire en Ituri. Le débat a été houlé entre les renseignants, les prévenus, le ministère public et les avocats de la défense au cours de l'audience tenue mercredi par le colonel magistrat Dienga Akelele, premier président de la cour militaire de l'Ituri. De vérité ont éclaté, nombreux prévenus sont mis en cause dans le meurtre de deux ressortissants chinois. Il s'agit de 8 militaires, dont un colonel. Le militaire ayant participé à cette opération criminelle a chargé le colonel Kayumba Soumaïli d'en être le cerveau moteur. La dangerosité de ce prévenu Kayumba qui a donné la mort aux deux Chinois et soustraire, qui fait la détonation. Accusation rejetée par les avocats du colonel Kayumba Soumaïli qui parle d'un montage pour nuire à leur client. Ils ont plutôt cité le colonel Mukaleng qui, selon eux, aurait commandité ce braquage. Malheureusement, cet officier supérieur de FARDC n'est pas visible à Bounia. Il serait au Bas-Congo. Par conséquent, le premier président de la cour militaire de l'Ituri a envoyé une commission rogatoire à son collègue du Bas-Congo pour exécuter certains devoirs d'instruction et le résultat est attendu. C'est lui, Mukaleng, qui aurait disparu avec 4 lingots d'or récupérés pendant l'attaque du convoi des Chinois le 17 mars 2022. Les convois des Chinois quittaient les chantiers d'or de Balazana pour la ville de Bounia. Les téléphones du colonel Soumaïli et du prévenu Otuzo sont attendus pour l'audience prochaine fixée le 24 août 2022. Rappelons que ce procès public se tient à la tribune officielle sur le boulevard de Libération
de Bounia. L'audience publique de ce jour est suspendue. Quittons l'Est pour le Centre cette fois-ci. Nous sommes dans la province du Kasaï central pour parler infrastructure. Construction de plusieurs écoles dans la ville de Kananga, c'est l'œuvre des anciens Kuluna de Kanyamaka. C'est occasion pour le gouverneur de cette province, John Kabeyantumba, gouverneur du Kasaï central, de saluer l'initiative du général Kasumu. Suivez. Voici à quoi ressemblent quelques écoles à Kananga dans le Kasaï central. Un bâtiment qui tient à peine debout, une autre partie faite en paille, pas de banc. C'est ici où l'expression « s'asseoir à même le sol » prend tout son sens. Mais dans 2 mois, une école pareille va céder la place à ce type d'établissement scolaire. Des bâtiments construits en matériaux durables. Situé dans la commune urbano-rurale d'Onganza, l'ouvrage est une réalisation des bâtisseurs du service national. Issus pour la plupart de la première vague des Kuluna transférés à Kanyamaka-Sese, ces bannis d'hier sont devenus une fierté pour toute une province, toute une nation. Les bâtisseurs sont en train d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité d'enseignement. Parce que les travaux sont en train d'évoluer normalement comme prévu. C'est pour ça que je suis en train de féliciter le général Kasongo. À Kananga, il n'y a pas que Nganza qui bénéficie de l'expertise de ces ex-délinquants. Il y a aussi Kanyuka. Ici, une autre école est en construction. Au regard des avancées, le commandant du service national se veut confiant. Pour le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabui, conformément aux instructions du chef de l'État, les enfants de cette partie du pays pourront, dès cette année scolaire, étudier dans de bonnes conditions. Dans les 2 mois qui arrivent, vous allez trouver des écoles qui sont prêtes à accueillir les enfants pour l'année scolaire 2022-2023. Ces écoles vont comprendre 12 salles de classe, un bloc sanitaire, un bureau de directeur, une salle de prof, un terrain de basket pour ne citer que cela. Ils seront équipés des bancs et tableaux made in Kanyamaka CC, c'est-à-dire fabriqués par les bâtisseurs. Revenons à Kinshasa avec cette information en bref. En religion, nous venons de l'apprendre, le pasteur François Mutombodi, voici l'homme de l'église Assemblée des chrétiens de Kinshasa, Kalembelembe, située dans la commune de Kinshasa, a été excommunié définitivement de l'ACKA par l'évêque Pascal Mukuna. Il est reproché à cet homme de Dieu le cas de récidivité contre les statuts en créant des assemblées parallèles à l'ACKA sous le label des groupes d'intercession Babou Kibikeko. Il a également gardé mainmise sur cette assemblée pendant sa longue absence au pays pour des soins médicaux en Europe et qu'à son retour, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde sauf au président légal de l'ACKA, Pascal Mukuna. Nous y reviendrons avec force détails dans la grande édition des 19h. Quittons le pays pour l'international. Arrivé samedi soir à Luanda, capitale angolaise, de la dépouille mortelle d'Eduardo Santos, ancien président de la République angolaise, le cercueil a été accueilli au pied de l'avion par sa famille biologique et des milliers d'Angolais. C'est un reportage. Je disais, nous dirigeons en Angola pour parler de l'arrivée du corps de la dépouille mortelle à Luanda, capitale angolaise, de la dépouille mortelle de l'ancien président de la République d'Angola, José Eduardo Santos. Le cercueil a été réceptionné au pied de l'avion par sa famille biologique et des milliers d'Angolais. Suivez ce reportage. Décédé à Barcelone, en Espagne, le 8 juillet dernier, le corps de l'ancien président angolais José Eduardo Santos a été rapatrié. Samedi dernier, la veuve et les orphelins étaient présents à l'aéroport de Luanda dans les larmes. L'arrivée de cette dépouille était controversée même au sein de la famille biologique, dont sa fille Chizé dos Santos, qui souhaitait que son père soit enterré en Espagne pour éviter la récupération politique du fait que le pays est en pleine campagne électorale. Né le 28 août 1942 à Luanda, Eduardo Santos grandit dans les quartiers pauvres de Sambizanga où il travailla clandestinement parmi les étudiants
pour le renversement de la domination coloniale portugaise. À 19 ans, il rejoint le MPLA et se réfugie à Kinshasa. En 62, il rejoint les forces armées populaires des libérations d'Angola, de l'Union soviétique. Il obtint en 69 le diplôme d'ingénieur du pétrole et de la télécommunication et fut aussi chanteur de plusieurs chants révolutionnaires. À l'accession de l'Angola à l'indépendance en 1975, il devient ministre des Relations extérieures, vice-premier ministre au plan en 1978. À la mort du premier président Agostinho Neto en 1979, José Eduardo Santos est désigné par le MPLA pour prendre le pouvoir le 20 septembre 1979. Sa légitimité mise en cause par Jonas Savimbi. Le pays entre en guerre civile pendant 27 ans. En 1992, il organise les premières élections auxquelles il emporte et Savimbi reprenant la guerre et qui fera plus de 30 000 morts. Réélu en 2003, puis 2012, en 2017, João Lourenço va le succéder à la tête de l'Angola. Son empire est menacé par son successeur José Eduardo Santos, a rendu l'âme le 8 juillet à Barcelone, laissant 4 enfants et une veuve. Avant de nous quitter, prenons cette information en bref. En sport, l'ancien joueur des KFA Arsène Zola vient de signer un contrat de 3 ans avec Wydad de Casablanca. L'international congolais de 26 ans avait fait son premier engagement avec le corbeau du tout-puissant Mazembe en Kleber en 2016. Et depuis le début de cette année, il poursuit son aventure au Maroc en provenance de son ancien club formateur. Désormais, Arsène Zola, l'un des meilleurs joueurs de son club, fait partie de Wydad de Casablanca pour 3 saisons. C'en est fini avec cette édition de la mi-journée. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 19h juste avec Constance Chimanga.